pas, nous étions à la station Mabillon, nous sommes sortis du métro et une vieille dame était à l'autre bout du quai et il faisait froid, 5-6 degrés. Elle avait des chaussures trouées, on voyait ses doigts de pied. Et elle était en train de manger une petite boîte de conserve avec du maïs. Nous étions, nous, avec nos sacs à dos et notamment des cadeaux de Noël, des boîtes en chocolat. Un grand sourire, on s'est approché d'elle. Elle nous a vu arriver, son visage s'est fermé. Elle nous a fustigé du regard. Et là, elle a jeté par terre avec force sa boîte de conserve et tous ses maïs, les grains de maïs se sont répandus sur le quai. Elle a hurlé et elle a crié « Laissez-moi, laissez-moi !» Et elle est partie en clopinant au bout du quai. Elle est remontée les escaliers, on l'a perdue de vue. Voilà, je voudrais... Ça m'a fait vraiment de la peine. On était là pour lui faire plaisir, pour lui apporter des cadeaux de Noël. Elle a eu peur, elle est partie apeurée. Et donc, je voudrais que vous puissiez prier de tout votre cœur pour la dame au maïs. On n'a pas pu faire connaissance et elle restera dans mon cœur, la dame au maïs. Priez pour elle, pour surtout qu'elle puisse retrouver une paix et une joie. Merci beaucoup pour cette dame au maïs. Ave.